bonjour, bon matin, bonsoir, bienvenue au Petit Bonheur, cette émission où est-ce qu'on parle de toutes sortes de sujets entre amis, en bonne bière, en bonne compagnie. Votre modérateur, votre hôte, votre animateur se nomme Chuck, je suis Chuck et je suis épaulé de ma collaboratrice Vanessa. Hey, bonjour! Yes, je suis tellement content de te recevoir pour la dernière semaine avant la saison de l'été, avant l'été en fait, et qu'on va prendre une petite pause, les épisodes que tu dis. C'est un plaisir pour moi, Chuck! C'est un grand plaisir de te recevoir et je suis content, je suis tellement content d'accueillir notre invité pour cette semaine. C'est un humoriste et c'est un comédien. Attention, là, j'ai fait une belle feuille de recherche, là. C'est probablement la description la plus longue que j'ai pour mon invité aujourd'hui et je suis très content de parler de tous ses exploits, de tout ce qu'il a accompli. C'est un humoriste et comédien. Il a travaillé dans le milieu de l'humour depuis près de 15 ans. Il a animé à la mythique soirée des Drôles de Jeudi à Saint-Lazare. Il a lancé son one-man show depuis 2 ans à travers tout le Québec. Parallèlement à ça, ben on a pu le voir à la télé sur certaines productions comme La Galère, Cheval Serpent et plus récemment Les Magnifiques. On a pu le voir au théâtre aussi sur la production Ma Première Fois qui a été un immense succès. Et puis on a pu le revoir récemment. D'ailleurs, j'ai été un des spectateurs sur le spectacle Revue et corrigée 2019. Ton rôle du fils de... J'attends papa. Oui, Gilles Duceppe. C'est absolument fantastique. C'est également le porte-parole de la Fondation de santé de l'hôpital du Haut-Richelieu. Et c'est un artiste qui donne le meilleur de lui-même. Mais avant tout, c'est un humain hyper gentil et hyper sympathique. Et récemment, il y a un projet web qui s'appelle La Guerre des Clowns et il faut qu'on en parle. Je suis très content de recevoir pour les derniers épisodes avant les vacances. Martin Vachon, merci d'être là. Merci beaucoup. Wow, quelle description. Désolé, c'est tout le temps qu'on avait de la biographie. C'est ce qui complète l'émission de lundi de l'entrepreneur. Revenez mardi pour la suite. Qu'est-ce qu'il fait, Martin Vachon? Il tombe dans l'enfer de la drogue après la pause. Tu pourrais être bon pour faire musicographie, remplacer Mike Gauthier, je pense. C'est solide. C'est fun, ça, musicographie. C'est j'aime vraiment ça. Bon. Même si il y en avait genre 8 puis il passait en reprise pendant des années. Oui. J'aime ça, ces affaires-là, bon. Les pop-up vidéos, des choses comme ça, c'est comme t'es prêt à arrêter. Beaucoup de productions de musique. Le scandale des vedettes. Vas-y, Vanessa, excuse-moi. Le scandale des vedettes de ces années-là, qui sait la manopie, qui fait de la tôle, puis Michel Richard qui souille un tapis d'hôtel. C'est des affaires qu'il faut se rappeler, ça. Oui, ouais. Ça fait partie de notre patrimoine. Le petit bonheur. Je me souviens. Je me souviens. En effet. Le petit bonheur, c'est pas compliqué. Je lance des sujets au hasard, 2 par jour, plus précisément, et on en parle pendant 10 minutes. Premier sujet du lundi. Un objet vraiment utile que tu as hérité de ta famille. Évidemment, c'est pas obligé d'être tes parents ou tes grands-parents qui sont décédés. Ça peut être quelque chose que tes parents ou tes grands-parents t'ont donné et que tu as chez toi et que tu ne pourrais pas vivre sans ça. Fait que je vous lance la question comme ça. C'est très léger. On part la semaine. Il y a plusieurs affaires. Ouais. Mais je vais commencer avec l'affaire le plus récent que j'ai reçu d'un cadeau d'un membre de ma famille et qui vient de changer ma vie à court et moyen terme. C'est mon frère. Il vient de me donner un chariot pour traîner mes enfants en vélo. Ah, oh, merveilleux. J'ai 2 enfants en bas âge, 3 ans et demi puis 1 an. Et tu sais, avec la pandémie, tout ça, on a moins de choses à faire pour cet été. Et là, mon garçon Liam, 3 ans et demi, je viens d'y acheter son premier vélo. Moi, je m'étais pas racheté de vélo je m'étais jamais acheté de vélo de ma vie. Dans le fond, moi, mon seul vélo, c'était comme jeunesse et adolescence. Mes parents m'avaient acheté. Fait que je me suis acheté un vélo. Fait que là, ma blonde, on y a acheté un vélo aussi. On s'est dit, il faudrait peut-être en faire en famille. Et mon frère m'a donné ça. Et pour vrai, avant-hier, on l'a utilisé. Et c'est la vie. Les 2 enfants, pas un mot en arrière. Ils se sont endormis là-dedans. On a fait du vélo. Et à une vitesse respectable, parce que faire du vélo avec son enfant de 3 ans et demi, c'est le fun, c'est cute, mais Christ, qu'il va pas assez vite! Là, en les mettant là-dedans, on peut faire du vélo entre adultes et c'est le fun. Et alors, merci mon frère, c'est le premier cadeau que je pourrais vous parler qui a changé ma vie. Ça, là, ça doit être une espèce de petite ride. J'imagine que quand t'es tout petit puis que tu vas dans cette espèce de chariot-là, juste le fait que ça roule tout seul, ça doit t'endormir comme rien. C'est comme... Ben oui. Moi, ça n'existait pas à mon époque. Je sais pas pour vous autres. Non, mon père m'a jamais traîné dans la fin de la main. Hey, les autres sont bien. Il y a un screen si jamais tu... Ça va, tu vois, il y a un screen, il y a une affaire pour la pluie, pour les bébites. Ils sont bains, ils sont assis, ils ont des pochettes, ils ont leur bouteille d'eau. Un Winnebago pour enfants. Le rêve, toi. Quand on dit que les jeunes ont tout cuit dans le bec, là, c'est ça, c'est exactement ça. Commence avec le chariot comme ça. Moi, je me verrais assis là-dedans que mes 2 enfants pédalent. Oui!
On fait le contraire. Let's go. Pédale pour toi. Let's go. Les enfants de traîneau. Les enfants de traîneau, exactement. Puis toi, tu te fais... Ben oui, des fois, t'as besoin d'un break, toi aussi. Ben oui. Puis toi, Vanessa? Bon, ben, je vais juste abonder dans le même sens. Mais moi, j'ai pas connu ça non plus. Là. Je pense qu'on... ça a été inventé. On était déjà nés. Mais moi, j'ai connu les traîneaux de motoneige. Ouais. Et, ça, tu t'endors pas là-dedans. Parce que tu risques ta vie à tout moi, moment. Ouais, j'aurais aimé ça connaître le petit buggy après le vélo. Ça a l'air chill. Un objet que ma famille m'a légué, ben écoute, je dirais mon ordinateur, malgré que le ventilateur est absent. On dirait que t'es dans un avion. On va se le dire, on dirait que tu nous parles. On a une liaison très spéciale. J'ai l'impression de voyager, ça fait mon bonheur, tu vois. Moi, j'ai le bonheur pas cher. C'est un vieux portable de mon père a été conseiller municipal pendant plusieurs années là, dans la politique locale. Puis c'était comme les ordinateurs des conseillers et ça me sert pour tous les podcasts en ce moment. Ben oui. Je devrais investir si la situation persiste. Mais ça reste pratique. C'est quelque chose de mieux, mais ça me permet de rester en contact. Ça vaut du bon. Ça fait combien de temps que tu l'as, cet objet-là? Hey, pour vrai, au moins 10 ans. Ça fait 10 ans que tu as ce laptop-là? Oui. Puis ben, il t'offre encore. Pour écrire mes blagues, là. Ouais, mais je fais pas grand-chose, ces ordinateurs. Je ah ouais. D'où le pourquoi la fan capote en ce moment, la fan de ton ordi. L'ordinateur a 10 ans. Il dit, je suis pas supposé. J'ai pas connu Internet, moi, à la base. C'est trop pour moi. C'est ça, tu fais-tu runner ben MS-DOS ça. Ou c'est quoi? C'est, je dis, t'as-tu? Je sais même pas c'est quoi MS-DOS, tu le sais. Là, je viens de découvrir que j'ai un micro après mon écouteur, puis ça fait quand même un certain temps. Fait que tu gardes, ça fait la job, là, mais... Vraiment? Ouais. Non, mais ça m'impressionne, en fait, qu'un ordinateur portable de 10 ans t'offre encore, parce que généralement, les ordinateurs portables, on les change au bout de 5 ans, 8 ans, tu sais, puis c'est ça, c'est étonnant. Je suis étonné, je suis surpris. Je fais attention à mes choses. Ben oui, je vois ça, absolument. Je vais vous relancer. Moi, j'ai un club chair. Est-ce que vous savez ce que c'est, un club chair? Non. Un club chair. Attends, un club, c'est un bâton de golf? Ouais. Ouais, pour les parties, pour tes membres dans un club de golf à côté de ta famille? Non, mais c'est non, mais ça ressemble. C'est un nom sur une chaise dans un club de golf. Proche, mais c'est pas ça. Mais c'est comme on pourrait le voir dans un club de golf, on pourrait voir ce type de chaise-là. C'est des espèces de gros sofas individuels faits en cuir qui, dans le fond, est super confortable. Tu t'enfonces là-dedans, tu peux rester là toute la journée. Ça s'appelle un club chair, mais c'est comme une espèce de sofa, donc un gros sofa individuel pour une personne. Donc, c'est la chaise dans laquelle je m'assois que tu es obligé de m'aider à me lever. Oui, effectivement. Quand tu viens chez nous, c'est cette chaise-là, cette espèce de sofa-là qui est vraiment confortable. Puis que c'est ça, tu te parles là-dedans, tu t'endors. Et ce club chair-là, je l'ai reçu de ma mère il y a environ 6-7 ans. Et depuis, je ne peux m'en passer. C'est le meilleur sofa que j'ai eu de ma vie. Je ne m'en départirai jamais. C'est trop bien fait. C'est le meilleur. C'est le meilleur sofa au monde. Donc, le club chair de ma mère, c'est l'objet que je peux pas me passer. Ouais. Donc, c'est ça. Mais tu sais, on a reçoit tellement de cadeaux de notre famille à travers les années. Tu sais, les affaires qui t'offrent pas, mais je me souviens, ma grand-mère m'avait donné son divan-lit. Il a passé pour genre 15 ans d'appartement, puis de coloc, de n'importe qui a dormi dans le salon sur le divan-lit. Bon, il devait avoir des germes là-dedans. Oui, dégueulasse. Fort probablement, ouais. Et là là, tu sais, mais c'est tellement utile, les cadeaux de famille. Même, surtout quand tu déménages ou quand tu sors de ta vie étudiante, là, avoir des vieux frigos, des vieilles sécheuses, puis comme un peu ton ordi ou ton sofa, les affaires qui étaient fabriquées dans ces années-là, c'est pas tuable. Non, ça ne brise pas. C'est non. Non, puis est-ce que tu as dû t'en partir à un moment donné? De ce sofa. Oui, parce que quand j'ai déménagé avec ma blonde, elle le trouvait pas très joli. C'est sûr. Et, fait que c'était. Ça règle la question vite. Ouais, mais de toute façon aussi, comme je l'ai dit, il avait vécu 15 ans d'appartement, bien des colocs, bien des soirées arrosées, bien du monde qui ont couché dessus. Fait que, mais il faut quand même que je te pose la question. T'as-tu une petite émotion quand t'as tu t'en départir, tu sais? Moi, je suis beaucoup trop sensible pour n'importe quoi, des affaires de même. J'ai de la misère. Moi, je revis, genre, chaque étape que j'ai donné mon ancien divan, puis je revivais les moments que, là, j'étais là avec mon chien, c'était ma place, ça. C'est comme là, moi, ma blonde, c'est notre premier divan qu'on a eu ensemble. Ça, c'était notre appartement. Ouais. Moi, chaque affaire, du nostalgie. Linge. Ouais, mais c'est un souvenir, ça. C'est un chandail que j'ai mis quand on jouait au flag football. Puis, tu sais, je veux le garder. Je garde des affaires. C'est juste,
par nostalgie, moi. Est-ce que t'es un gardeur, justement? Ma blonde, je la garde juste par nostalgie. Ben oui, juste par nostalgie, voilà. Ça va faire 12 ans qu'on est dans un... mais est-ce que t'es un gardeur? T'as beaucoup d'objets que tu devrais t'en départir, puis finalement... Oui, mais j'essaye, genre, depuis cette année, je me suis débarrassé de pas mal d'affaires. Tu sais, le fameux ménage de linge. Là, tu dis, je le donne aux pauvres. Puis à chaque fois, tu te dis, ça, d'un coup, je veux peinturer ou je vais aller jouer dehors. Tu sais, t'as encore ta mentalité d'enfant que tu vas aller jouer au football avec tes amis dans le gazon, tu sais. Oui. Fait que je vais, je gardais tout le temps des affaires. Mais cette année, pour la première fois, j'ai vraiment été, je sais pas c'est quoi le nom de la technique, c'est une minimaliste. Philosophie. Ben non, mais si je l'ai pas mis, ben en deux ans, je l'ai pas mis ce gelé-là, genre, dans les deux dernières années, même s'il est super beau, c'est griffé, n'importe quoi, ça vaut cher comme gelé, je le donne. Parce que ça fait deux ans que je l'ai pas mis, oublie ça. Fait que j'ai vraiment. Très bon minding. 75% de ma garde-robe est disparue. Fait que t'as fait que Marie Kondo, puis tu t'es départi de tout. Ouais, voilà. Exactement. As-tu remercié chaque chandail avant de le donner? Non, mais il y en a que ça me fait de quoi, oui. Ouais. J'ai comme, ça, c'est un chandail. Ben, c'est parfait. Moi, je pense qu'on va y aller avec le deuxième et dernier sujet du lundi. Juste avant. Chaque condom que j'utilise, c'est vraiment difficile. Ouais, passe à un autre sujet. T'es exposé sur un carton, puis t'es colle, puis là, tu marques la date, puis la personne en soi. Je mets une petite toune, genre triste, une cérémonie. Là. Bah, malava. Du James Blunt. Oh my God. Ça fait 6-7 ans que j'ai pas dit. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu du James Blunt. Juste avant, Vanessa, justement, en fait, parlant de James Blunt, y a-tu un site où est-ce que tu peux regarder tous les vidéoclips de James Blunt? Et tu pourrais-tu m'en parler de ce site-là? Le site officiel de James Blunt? Oui, c'est YouTube! YouTube! Oui, effectivement. Je sais que ça, c'est ma plug, c'est ma shameless plug, Martin. Je fais une shameless plug en plein milieu du show. Juste pour dire que dans le fond, on a un channel YouTube où est-ce qu'on met tous les épisodes audio, on les met également en vidéo YouTube, mais on voit pas, dans le fond, il y a une image. Puis mais les gens aiment bien écouter l'épisode du Petit Bonheur aussi sur YouTube parce que c'est pratique pour eux. Ils mettent ça dans leur navigateur, puis ils travaillent, puis ils font leur job. Puis, bonne idée! Le channel YouTube, on vous invite à vous inscrire parce que on va bientôt faire des épisodes entièrement vidéo et c'est évidemment préparez-vous, inscrivez-vous tout de suite, on l'apprécie énormément. Deuxième et dernier sujet du lundi, une petite chose. Ouais, je veux juste dire aux gens qui nous écoutent, moi je découvrais le Petit Bonheur ce matin et juste dire, moi je pensais que c'était un podcast mais filmé. Donc gang, moi là vous m'entendez mais vous voyez pas, mais je me suis peigné pour aujourd'hui là. Oui. Là on est le matin. Je suis sûr que ça s'entend matin. C'est ça. Ça me dit aussi. Fait que, juste vous dire, je me suis bien mis pour vous, cher auditeur. Ça paraît pas, mais on apprécie énormément l'effort que tu as mis, même si c'est un effort un peu inutile pour ce matin. Contrairement à votre collègue, moi, je me suis levé pour vous autres. En plus, effectivement, notre Tana de Nick n'est pas avec nous présentement. Peut-être qu'on va immortaliser, on va prendre une photo. Ouais. Yeah. Fait que deuxième et dernier sujet du mardi, une petite chose. Du lundi, oui, mon erreur. Petite chose niaiseuse que tu connais ou que tu fais, mais qui te rend vraiment fier. Une petite chose que tu connais vraiment, vraiment bien ou que tu sais vraiment faire. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, ça paraît un peu anodin. C'est pas tellement important. C'est un peu niaiseux, mais t'es vraiment fier. T'es vraiment Il y a beaucoup de choses. Ma blonde me déteste pour ça. Oui. Mais je dis que j'ai un super pouvoir. OK. Moi, à l'œil, sans me concentrer, je fais des verres de vin parfaitement égaux. Ah ouais. Genre, moi, je suis en haut du comptoir, j'ai verse, puis je fais tout le temps, tu sais, on regarde après si tu es à peu près égal, puis moi, à chaque fois, je suis comme, super pouvoir! Wow. C'est vraiment égaux, là, la ligne est pareille. Ma blonde, elle dit, arrête, tu me gosses, t'as pas de pouvoir. Regarde comment c'est facile. Non, c'est pas facile. Ils sont vraiment précisément pareils. Moi, ça, c'est une petite affaire que j'ai réussi. Vraiment, je suis fier. Il y a de quoi être fier. Pour vrai, moi, je suis fier de toi. Non, mais merci beaucoup. Exact. Non, mais ça peut être une fierté. J'ai étudié très peu de temps en hôtellerie, puis j'avoue que c'est toute une technique. Je sais pas si tu savais, mais quand tu termines et que tu essaies de faire remonter la goutte pour pas qu'elle tombe sur la table, on appelle ça étrangler la goutte. Pour de vrai? Ouais, c'est assez agressif. Étrangler la goutte. C'est comme sexe un peu rough. Ouais, étrangler la goutte, absolument. Alors, étrangle la goutte, OK. je te relance tout de suite, Martin, avec justement quelque chose de culinaire. La balance du liquide dans mes smoothies est toujours parfaite.
Donc, mes smoothies sont toujours excellents, mais depuis 8 ans maintenant, je bois un smoothie à tous les matins, et il n'est jamais trop épais ou jamais trop liquide. Il a tout le temps la meilleure consistance possible. Donc, dire à quel point ma blonde voudrait être avec toi en ce moment, parce que mes smoothies à tous les jours ou autour de 2 jours, on dit qu'on s'entraîne, je fais un smoothie avec de la protéine dedans après, moi. Genre, ma blonde dit qu'il goûte trop l'eau ou qu'il est trop liquide à toutes les fois. Fait que, genre, on est comme l'inverse. J'espère que t'es genre pourri pour verser le vin, puis genre, on se complète. Je pourrais, voilà. Ah, on se réglise au moins comme ça. On serait vraiment des super-héros. On serait les Avengers ensemble. Les Avengers des verres. Les Avengers, je sais pas. En tout cas, Vanessa, toi? Je sais pas, c'est dégueulasse comme jeu de mots. Toi, Vanessa? Vraiment? Ah, ben, je sais pas, je suis en train de penser à tes smoothies. Il faut quand même le faire, là. Tu bois du kale. Je bois du kale. J'ai réussi à faire de quoi de bon avec du kale. Mais je t'avoue, la phase kale a passé un peu. Maintenant, je suis beaucoup épinard, mais. Ouais. C'est pire. OK. Ouais. OK, ben, écoute, un talent, c'est niaiseux, mais moi, je te parle aux animaux. Ah! Mais est-ce qu'ils te répondent? Ben oui, tu sais, j'ai eu une grosse conversation avec un écureuil cette semaine, puis tu sais, fallait être là. Ça arrive jamais quand je t'entourais, mais ouais, il y a eu une discussion, il y a eu un échange. C'était vraiment le fun. Ça va, est-ce que tu fais comme moi? Moi, je ne parle pas, mais je parle aux animaux, mais moi, je fais la voix des animaux. Quand je vois un animal, cool. Genre, je lui donne une personnalité, genre, ben, allô, toi, ça va? Ouais. Là, je discute. Mais je le sais que c'est moi qui le dis, mais toi, tu leur parles. Ouais, ouais, ouais. Les docteurs ouais, de les attire. Mais ouais, un peu, tu sais. Puis moi, c'est niaiseux, mais je viens de l'Abitibi, puis à Amos, on avait un peu le docteur Doolittle, c'était Monsieur Pajot, hein, le refuge Pajot. En fait, l'ONF a fait un film sur Monsieur Pajot, l'homme qui parlait au loup. Puis c'est ça, moi, j'ai grandi dans la forêt, c'était comme mon idole, Monsieur Pajot. Fait que j'ai appris à parler aux animaux très jeune, puis ça me suit à Montréal parce qu'il y en manque. Mais est-ce qu'il y a un psychiatre qui te suit là-dessus ou ça, c'est non traité? Ou c'est non traité en ce moment, ça part-là, ce pouvoir-là? J'ai pas le droit d'en parler! Ouais. Ah, OK. Mais t'es fier de ça? C'est un talent qui te rend fier? Et pour vrai, oui, mais ça a failli dégénérer une fois. Et quand j'étais dans Côte-des-Neiges, j'avais 2 chats, puis il y avait un écureuil dans la fenêtre. Fait que j'ai commencé à jaser avec l'écureuil pour le garder là, pour que mes chats aient un divertissement. Puis tranquillement, pas vite, ben là, je dis je parle à l'écureuil, mais tu sais, je parle en écureuil. Là, OK, tu fais ça, toi, carrément. Ouais. Puis là, un deuxième écureuil se ramène, un troisième. Là, je commence à trouver qu'il y a beaucoup d'énergie qui se dégage proche de ma fenêtre. Là, mes chats commencent à vouloir entrer dans une espèce de rivalité. Et là, il y a une marmotte qui débarque. Marmotte comme dans Caddyshack là, qui te détruit un terrain de golf à grand coup de fuck you. Écoute, là, j'ai perdu le contrôle. J'ai juste fermé mes rideaux. J'ai attendu ça. Ouais. T'as fermé ta caméra sur une discussion Zoom, genre, OK, ouais. J'arrête de parler avec eux autres. Waouh, c'est drôle en tête. Des écureuils, une marmotte, des chats. Waouh. Ouais. Comment ça parle, une marmotte? Hey, ça, c'est une bonne question. C'est la première fois que j'en ai tiré une, puis ça fait pas grand bruit. Je pense qu'on appelle ça un siffleux, parce que ça doit siffler. C'est beau. Ah, ouais. Ma théorie, là, mais c'était la première fois que j'en rencontrais une montréalaise de surcroît. Assez volumineuse. Parlant de marmotte, juste avant de terminer les shows, en fait, je pense que vous avez tous vu le jour de la marmotte, évidemment, le Groundhog Day. Bien sûr. Ouais. J'ai vu il y a quelques semaines la publicité de Bill Murray qui a fait récemment. C'était pendant le Super Bowl, right? Ouais. Ah, non, je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu? OK. En tout cas, tu regarderas ça sur YouTube. Elle est absolument fantastique. J'aime pas vraiment quand les studios décident, ou en fait, disons, les publicitaires décident de prendre un classique puis vouloir faire une publicité avec, parce que généralement, ils scrapent la franchise ou ils scrapent le film nostalgique qu'on avait en tête. Mais là, cette publicité-là, elle est fantastique. Alors, je vais aller la voir. Vraiment, bon, ben, c'est la publicité à voir pour la journée. Et on va terminer en fait le show comme ça du lundi.
dans le fond. Et... je m'en allais dire, et pour les auditeurs, allez la voir sur YouTube, elle doit être là, et profitez-en pour vous inscrire au channel du Petit Bonheur. Hey, tu me plugs ça comme un champion, je te remercie tellement. Ouais. Mais merci beaucoup, Vanessa, d'avoir été là. C'est un plaisir. Merci, Martin. Ben, ça fait plaisir. Moi, je tiens à saluer Nick. Merci, Nick, d'avoir été là. Ouais, merci, Nick, présentement, d'être là. Et on va se rejoindre demain. Fort probablement que Nick va être là pour un autre Petit Bonheur. Bye-bye!